Bonjour tout le monde, c'est encore une belle émission en perspective que je vous invite à suivre en compagnie de la passionnante Magali Cazotte qui va nous lever le voile de la mystérieuse Joconde. Bonjour Magali. Bonjour Florinette. Là, on s'attaque à un très très gros morceau, Florinette. Et comme d'habitude, le chemin va être long, donc on va y aller tout doucement. Alors là, Joconde, ben, comme tout le monde le sait, hein, c'est le tableau le plus célèbre du monde, qui est le plus visité aussi après le diamant Hope. Voilà, c'est vraiment l'objet dans le monde qui est le plus visité. Et jusqu'à la fin de sa vie, hein, vraiment, il a tenu à le conserver avec lui, Léonard de Vinci, parce qu'il considérait que la Joconde était le plus précieux de tous ses tableaux. Pourtant, Dieu sait qu'il en a fait de très beaux aussi, mais celui-là, il avait une valeur particulière à ses yeux. Alors voilà, la Joconde, que tout le monde connaît, je pense, hein, mais voilà, c'est important qu'on la mette à l'écran. Donc, pour Léonard de Vinci, à ses yeux, c'était son tableau le plus important. C'est aussi le tableau dans toute l'histoire de l'art, qui a fait couler le plus d'encre, qui a suscité le plus d'hypothèses. Ben, il suffit de voir, voilà, comme il a inspiré, ben, il n'y a pas très longtemps, le Da Vinci Code, le fameux Da Vinci Code, hein, dont tout le monde a entendu parler. Donc, si on n'a pas vu le film, on a au moins lu le livre. Oui, c'est sûr. Voilà, là, on a. Voilà, alors, donc, il y a quelques années, voilà, ça a été la trame de ce roman, voilà, qui a fait beaucoup de bruit parce que ça a été un best-seller. Donc, c'est dire comme la Joconde inspire encore. Elle intrigue, elle inspire, elle pose mes questions. Donc, c'est vraiment le tableau, voilà, qui a suscité le plus grand nombre, voilà, d'interrogations. Mais j'ai envie de dire, on ne peut pas percer l'énigme de la Joconde si on n'a pas percé l'énigme de Léonard de Vinci. Parce que Léonard de Vinci était à lui seul aussi une énigme. D'ailleurs, on l'appelait et il portait, on l'avait surnommé, Léonard de Vinci, l'homme du mystère. Voilà, alors, Léonard de Vinci, quand il était jeune, hein, d'habitude on le voit. Moi, j'ai Oui, préféré beaucoup choisir plus cette photo. âgé. Oui. Voilà, moi je trouvais qu'il était mieux là. Il était dans la force de l'âge et on le surnommait à son époque l'homme du mystère. Pourquoi l'homme du mystère? Alors, il aimait, Léonard de Vinci, entretenir d'ailleurs ce mystère. Notamment, il avait pris une curieuse habitude. Il écrivait à l'envers. Il avait une écriture inversée qu'on pouvait lire que. En la plaçant, on va dire, devant un miroir. Alors, c'est quand même pas facile. J'ai essayé, hein, de faire cette écriture inversée, mais c'est pas simple, hein. C'est vraiment très difficile. Et pourquoi, voilà, s'ingénier à faire cette écriture inversée qui ne se révélait que dans un miroir? Alors déjà, pour moi, c'était une incitation à renverser notre regard sur les choses, à retourner notre vision des choses. Et oui, parce que cette écriture ne voulait rien dire, sauf si tu la mettais dans un miroir. Mais là, qui te donnait une image inversée des choses. Quand on se reflète dans un miroir, quand on se regarde dans un miroir, tout est à l'envers. Donc, c'était comme pour nous dire, changez votre regard. Retournez-le véritablement. Donc, il y avait cette écriture inversée, mais pour Léonard de Vinci, bon, le peintre du génie, vraiment merveilleux qu'il était, ben, les mots n'étaient pas les plus importants. D'ailleurs, il a exprimé lui-même dans une phrase, avec quels mots, écrivain, égaleras-tu dans ta description la figure complète que restitue le dessin? Donc voilà, pour Léonard de Vinci, ben, rien ne surpassait le dessin, la peinture, donc la représentation, voilà, en image de la chose. Donc, pour lui, la peinture, l'art du dessin, voilà, surpassait tous les autres. Mais c'était qu'un moyen, ce n'était pas un but, ce n'était pas une finalité. Il ne faut pas croire que voilà, l'art, la peinture, c'était tout pour lui. Non, non, bien au contraire. Ce n'était qu'un moyen pour représenter en images ses grandes réflexions philosophiques, parce qu'à la base, Léonard de Vinci était encore plus un philosophe qu'un peintre. Alors ça peut étonner. Ça peut étonner. On dit toujours, on le connaît comme étant un artiste, voilà, de génie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, je vais citer un passage, voilà, qui. Alors, c'est une parole de François Ier. Que François Ier, c'est une réflexion que François Ier a confiée à Benvenuto Cellini, qui l'a rapportée dans son ouvrage sur le discours de l'art. Voilà, dans le discours de l'art de Benvenuto Cellini,
cet auteur apporte une confidence de François Ier. Alors, François Ier lui a dit, alors, voilà ce qu'il dit Benvenuto Cellini, « Je tiens à redire ce que le roi me dit à moi-même en présence du cardinal de Ferrare, du cardinal et du roi de Navarre. Il dit qu'il croyait que jamais il n'y avait eu dans le monde un homme sachant autant de choses que Léonard, non seulement en sculpture, en peinture et en architecture, mais encore en philosophie, car c'était un très grand philosophe. » Alors ça, on ne le sait pas, ça. Alors ça, c'est rapporté dans la biographie sur Léonard de Vinci de Serge Bramley. Je crois que peut-être je t'ai envoyé l'illustration, voilà, la photo du livre de Serge Bramley, que je vais reciter aussi un peu plus tard. Donc j'ai trouvé cette info dans cette biographie qui m'a tout de suite interpellée. Parce que, voilà, qui nous révèle que Léonard de Vinci n'était pas seulement un peintre, loin de là, mais c'était un philosophe. Mais un philosophe dans le sens véritable du terme, c'est-à-dire le philosophe, le mot philosophe est composé de deux mots grecs, philos, ami, et sophia, sagesse, donc l'ami de la sagesse. Voilà. Alors, il va falloir garder à l'esprit, Fonette, que Léonard de Vinci est avant tout un philosophe, avant même un peintre. Très, très important. Alors, en fait, Léonard de Vinci, il ne faut pas non plus le dissocier de l'époque à laquelle il vivait, parce qu'il incarnait, vraiment dans la meilleure, la plus belle manière possible, l'esprit de la Renaissance. Donc, on ne peut pas dissocier Léonard de Vinci de la Renaissance, de l'esprit de la Renaissance. Très important aussi. Donc la Renaissance italienne, qui après s'est répandue dans toute l'Europe. Voilà. Donc c'est parti d'Italie, hein, ce mouvement philosophique, hein, de la Renaissance, et qui après a gagné toute l'Europe. Alors, la Renaissance, c'est pareil, on ne peut pas dissocier la Renaissance, l'époque de la Renaissance, avec la philosophie des humanistes. Alors ça aussi, c'est très important. Donc, on va suivre un petit fil conducteur. Léonard de Vinci est un philosophe qui vit à l'époque de la Renaissance, qui baigne dans cet esprit de la philosophie des humanistes. Mais quand je dis humaniste, il faut rappeler que l'humaniste, voilà, s'écrit avec un H majuscule. Ce n'est pas l'humaniste comme on l'entend aujourd'hui. Par exemple, quand on dit aujourd'hui, quelqu'un est un humaniste. Bon, il aime l'humanité, il aime les hommes, et il veut venir en aide à son prochain, ce qui est très bien. Mais l'humaniste, avec un H majuscule, qui vivait à la Renaissance, n'était pas ça. Il y avait autre chose. Donc ça, je vais le révéler un peu plus tard, Florinette. Donc, il faut bien distinguer l'humaniste de la Renaissance avec un H majuscule et l'humaniste, voilà, qu'on l'emploie aujourd'hui avec un H minuscule. Donc, là, je vais citer un extrait du livre de Paul Vulliot, le livre « La pensée ésotérique ».« La pensée ésotérique » de Léonard de Vinci. Déjà, la pensée cache. Ah ben voilà, celui-là, je n'ai pas oublié de te l'envoyer, Florinette. Peut-être que j'ai oublié de t'envoyer Serge Bramley. Alors, dans ce livre-là, alors, très très important cet ouvrage, pour tous ceux qui veulent vraiment découvrir la face cachée de Léonard de Vinci, c'est celui-là que je recommande. D'accord, ouais, ça doit être passionnant ce livre. Oh là là, en plus il n'est pas très long à lire, c'est un petit D'accord, ah, c'est bon à savoir. Passionnant et alors vraiment, qui va à l'essentiel j'ai envie de dire. Très éclairant, ouais, d'accord. Oh là 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 là. Alors quand je suis tombée sur ce livre, j'ai trouvé voilà, ce petit passage où Paul Vulliot nous dit « Il n'y a pas à hésiter pour attacher Léonard de Vinci au mouvement célèbre connu sous le nom d'humanisme. » Donc, voilà, il nous révèle que Léonard de Vinci, en fait, était un humaniste, voilà, vraiment dans le vrai sens du terme, comme on l'entendait à la Renaissance. Et il ajoute que, aussi, s'il était un humaniste, il n'était pas vraiment un humaniste comme les autres. Pourquoi? Alors, il nous dit, Paul Vulliot, en acceptation rigoureuse, les humanistes désignent les lettrés, les grammairiens ou glossateurs qui, par leur révision des textes, c'est important, révision des textes, ils entendaient les textes d'une manière différente, comme on les entendait. Alors, qui, par leur révision des textes anciens, en fixèrent la meilleure leçon. Et quand j'appelle Léonard de Vinci un humaniste, il ne me vient pas l'idée de prendre ce puissant génie pour un redresseur de virgule, mais pour un homme qui appliqua son intelligence aux plus hautes conceptions. Voilà. Donc, c'est un philosophe qui avait élevé sa pensée voilà, au plus haut niveau, mais il ne s'occupait pas d'écrire, d'être un lettré, d'être un... Non, lui, ça passait par la peinture. Il ne faut pas oublier. Donc, la philosophie
Tout le savoir philosophique de Léonard Vinci était exprimé dans ses tableaux. Pas en écrivant, ce n'était pas un écrivain. Même s'il a écrit quand même de belles choses. Alors, voilà, contrairement à la plupart des humanistes de la Renaissance, qui étaient des philologues à la base, donc des amoureux des mots. Un philologue, voilà, il est amoureux des textes, des mots, qui retrouvait, voilà, qui s'appliquait, ces humanistes, à retrouver l'esprit par-delà la lettre. Voilà pourquoi ils étaient si attachés aux mots. On va le voir, l'importance, Florinette, que ça va prendre, ça, après. Alors, Léonard Vinci, lui, qui ne put apprendre le latin pas avant l'âge de 40 ans. Pourquoi? En raison de sa condition de fils bâtard. Il était considéré comme un enfant illégitime et qui lui avait fermé les portes de l'université jusqu'à l'âge de 40 ans. Quand même. Enfin bon. Donc lui-même, n'ayant pas eu la chance, voilà, d'aller à l'université, d'apprendre les lettres, comme on les apprenait, il se rabaissait lui-même, Léonard de Vinci, au rang des hommes sans lettres. Alors, quand même. Mais ça l'empêchait pas d'avoir une bibliothèque. Une bibliothèque qui était assez fournie et qui renfermait notamment la Divine Comédie de Dante, les Métamorphoses d'Ovide. Donc ça, c'était déjà des lectures qui étaient d'un haut niveau. C'était pas tout le monde à l'époque, hein, qui avait ce genre d'ouvrage. Donc pour un homme sans lettres, c'était pas mal. C'était Ah vraiment oui, bien. non, c'est incroyable. Mais c'est bien, au moins il ne s'est pas laissé abattre. Je veux dire, il a appris par lui-même. Et Oh mieux oui. appris, certainement. Alors, je pense Ouais. qu'il est de grands maîtres, Ouais. de grands Ça. professeurs, mais voilà, qui Ouais. n'étaient pas à l'université. Et notamment, on sait, voilà, qu'il a été très, très, très proche, voilà, de la philosophie du grand humaniste de l'époque, Marcel Fischin. Alors là, je crois que j'ai dû t'envoyer l'illustration. Alors, Marcel Fischin, voilà, c'était lui qui a dirigé l'Académie platonicienne. C'est important pour la suite de Florence, et qui s'efforçait, ce Marcel Fischin, de concilier les enseignements des philosophes de l'Antiquité, les philosophes grecs, avec les enseignements du christianisme. Il faisait la relation Ah, c'est bien, entre oui. les deux. Et Marcel Fischin avait été l'élève de l'helléniste Jean Argyropoulos. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, qui enseignait justement à Florence au moment où Léonard s'y trouvait parce qu'il travaillait dans une corporation de peintres. Donc, ils étaient là. C'était un foyer Florence extraordinaire. Donc, ce qui a fait écrire à Serge Bramley dans sa biographie, il va peut-être écouter l'helléniste Jean Argyropoulos qui enseigne à Florence jusqu'en 1475, voilà, Argyropoulos, mais ne sachant pas le latin, que peut-il comprendre au grec? Voilà ce qu'il pose la question, Serge Bramley. Il n'a pas appris le latin, alors qu'est-ce qu'il peut comprendre au grec? Alors déjà, moi je peux témoigner personnellement qu'il n'y a pas besoin de connaître le latin pour s'intéresser et pour comprendre les mystères du grec. Il n'y a pas besoin, Florinette. Il suffit juste, voilà, d'avoir des clés au niveau de l'étymologie. Mais même si tu ne parles pas le latin et pas le grec, tu peux avoir accès déjà à beaucoup, beaucoup de choses qui sont contenues dans le grec. Alors, comme tous les humanistes, avec un grand H, j'ai envie d'ajouter, Léonard accordait, il s'était forcé, s'était obligé, il accordait une importance toute particulière au grec. Le grec, entre toutes les langues. Comme Rabelais nous l'a écrit dans son Pantagruel, le fameux Pantagruel de Rabelais, où il fait dire à Pantagruel, maintenant toutes les disciplines sont rétablies et l'étude des langues instituée. Le grec, sans lequel c'est une honte qu'on se prétende savant. Voilà, si tu ne savais pas le grec, si tu ne savais pas savant, c'est honte. Alors voilà, sans lequel c'est une honte que se prétend savant, l'hébreu, le chaldéen et le latin. Donc tu vois l'importance que les humanistes, comme Rabelais, accordaient aux langues, mais le grec, ils le plaçaient au-dessus de tout. Alors pourquoi? Alors on va voir après, on va voir à la fin, Florinette, l'importance du grec pour résoudre l'énigme de la Joconde. Ça va être capital. Donc ça, il va falloir le garder en tête. Voilà, vraiment l'importance accordée aux Grecs par les humanistes. Alors, on sait aussi que les humanistes, voilà, ils accordaient beaucoup d'importance. D'ailleurs, ils les enseignaient aussi au niveau, voilà, l'enseignement des humanités, comme on disait, les mythes grecs, les fables de l'Antiquité.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris, ces humanistes, que ces mythes, ces fables, avaient été conçus pour révéler des savoirs secrets. Et les savoirs secrets qui étaient enseignés dans les religions à mystère, les cultes à mystère. On est dans le mystère, comme je l'ai dit au début, Léonard de Vinci était surnommé l'homme du mystère. Toujours, cette notion de mystère, voilà, d'où elle vient. Donc, ils avaient compris, ces humanistes. Ça, c'était déjà la clé qu'ils ont trouvée, que les mythes et les fables de l'Antiquité, en fait, avaient été conçus pour dévoiler, tout en dissimulant, parce qu'il fallait tout le monde pouvait les entendre. Voilà, on racontait les mythes et les fables à tout le monde, mais il n'y avait que ceux qui avaient des oreilles pour entendre, qui possédaient un bon entendement, qui pouvaient comprendre le langage codé symbolique de ces mythes. Et qu'est-ce qu'ils révélaient, en fait? Donc, là, on a affaire, voilà, à ce langage symbolique qui était utilisé dans les mythes et les fables pour révéler tout en dissimulant. Hein. C'était vraiment très, très subtil. Et Paul Vuillot, voilà, nous dit encore dans son livre, souvent, souvent, la théologie des peintres, parce que ce n'était pas seulement des peintres à la Renaissance, ils avaient la connaissance du sacré. Donc, la théologie des peintres enseigne que les mystères des chrétiens étaient la réalité des mystères gentils, des mystères de l'Antiquité. Les artistes se révèlent initiés. À ce titre, les nativités se constituent en séance d'initiation. Alors là, Paul Vuillot, il met le doigt, déjà sur le mystère. Et c'est animé par cet esprit, forcément, que Léonard de Vinci, voilà, on va le voir, on va interpréter plusieurs de ses tableaux, Florinette, avant d'arriver à la Joconde. Mais ça va nous montrer l'état d'esprit. Oui, c'est ça. Vraiment le fil conducteur. Hein. Voilà. Alors donc, voilà, relier les mystères du christianisme au mystère de l'Antiquité, à travers ces nativités, très importantes, les représentations de nativité. Alors, la première que je voulais montrer, c'est le tableau que l'on appelle la Madone Lita. La Madone Lita, elle m'a interpellée, cette madone. Pourquoi? Alors, il faut bien regarder, Florinette. Tu vois, tu as deux fenêtres à l'arrière. Bon, oui. Tu ne regardes pas forcément parce que tu as les yeux sur la madone, l'enfant. Voilà, jeune. Puis sur l'enfant, oui. Regarde bien les fenêtres. Là, il y a quelque chose qui m'a interpellée parce qu'il y a quelque chose qui me semblait anormal, surtout pour un peintre de génie comme Léonard de Vinci. La fenêtre de gauche, tu vois, il y a le côté gauche qui est illuminé par la lumière. Le bord gauche. La fenêtre droite, eh ben, c'est le bord droit qui est illuminé. On dirait qu'il y a deux sources de lumière. Là et là, d'accord. Voilà. Donc là, on a l'impression que la lumière vient de droite. Ouais, là, on a l'impression que la lumière vient de gauche. Alors, il y a une erreur, mais une erreur voulue. Parce qu'un génie comme Léonard n'a pas pu faire ce genre d'erreur. Donc, c'est comme s'il nous disait, il y a deux sources de lumière. Deux sources de lumière, mais qui nous ramènent au même mystère, incarné par cette madone, Jésus. Et tu as remarqué, alors là, c'est très curieux, regarde la main de l'enfant, la main gauche de l'enfant Jésus. Bon, sa main droite, il tient le sein, voilà, pour boire le lait. Et là, ah, elle tient une fleur, non? Il y a un oiseau. Ah, c'est un oiseau. On le reconnaît avec la couleur noire, blanche et rouge de sa tête. D'accord. Il possède les trois couleurs du grand œuvre. Oh non, non. Alors, qu'est-ce que fait cet oiseau dans la main de l'enfant Jésus? Bon, déjà, ce n'est pas banal, un nourrisson qui tête le sein de sa mère avec un oiseau en main. Oui, non, c'est sûr. Alors ça, c'est voulu, c'est un petit clin d'œil. Hein. Un gros clin d'œil de Léonard de Vinci. Et en plus, un chardonneret. Il arbore sur sa tête la couleur noire, blanche, rouge, ouais. Trois couleurs du grand œuvre. Ouais. Donc ça, c'est... Voilà, pour montrer, là, c'est la mise en bouche. C'est l'enfant. Pour montrer comme Léonard de Vinci, il mettait plein de petits détails. Oui, dans ses tableaux, oui. Il faut vraiment les scruter. C'est voilà. Ah oui. Chaque détail a son importance. Ah, mais ça, c'est sûr. Ah oui, si tu regardes juste à bord, oui, c'est joli. Oui, mais c'est bien plus que ça. Tu ne vois rien. Tu n'as rien vu. Ben voilà, tu vois un beau tableau. Mais tu vois un beau tableau, bien sûr. Mais je veux dire, dans le sens où tu n'as pas vu le message. Exactement. Voilà. Mais c'est comme les fables et les mythes. On te raconte une belle histoire, tu dis, ah oh, oui, c'est une belle histoire. Mais tu n'as rien compris. Rien compris.
Alors ça, c'est vraiment la mise en bouche. C'est vrai. Donc, Léonard, il a dit aussi, il a dit une phrase qui nous met la puce à l'oreille. Il a dit, en s'adressant aux futurs peintres, aux futurs artistes, « Donne à tes figures une attitude révélatrice des pensées que tes personnages ont dans l'esprit, sinon ton art ne méritera pas la louange. » Une attitude révélatrice pour révéler ce que les personnages, en fait, veulent te transmettre. Ils ont à l'esprit. Alors là, voilà, il donne ce conseil aux futurs peintres. Ne vous contentez pas de faire des belles choses. Faites des œuvres qui ont du sens, qui vont rêver. Il ne fallait pas chercher la reproduction, il fallait juste vraiment transmettre effectivement. Un message. Ouais. Mais alors, c'était ardu, hein, ce n'était pas facile. Non, ce n'est pas fait pour tous les peintres. Là, je me suis dit, bon, là, il nous donne un indice encore. Donc, on va suivre son conseil pour interpréter les postures. Hein, puisqu'il dit, il a une attitude révélatrice des personnages, dont les postures des personnages dans ses tableaux. C'est très, très, très révélateur. Et alors là, on va commencer par un tableau qui a beaucoup de choses à nous dire. Alors, ce tableau, il m'a fascinée. Il me fascine depuis très, très longtemps. La première fois que je l'ai vu, pour tout te dire, c'était dans un livre de littérature. C'était pour l'étude des textes, voilà, au niveau de la terminale, je crois. Et alors moi, je ne lisais plus le livre, je voyais, je suis tombée sur la figure de ce tableau. Il m'a fascinée dès l'instant où j'ai vu, c'est la Vierge Rocher, le tableau de la Vierge Rocher. Alors voilà, et il ne faut pas se tromper, hein, parce qu'il y a plusieurs, il y en a une copie, enfin on le trouve sous deux formes différentes, là c'est vraiment celui-là. C'est le plus sombre, on va dire, dans cette Vierge Rocher. Alors, il est magnifique. Bon, première chose, il est très, très beau. Mais alors, il faut savoir qu'il a été commandé à Léonard de Vinci par les membres de la confrérie de la Conception qui lui avaient donné des directives très précises. Alors, il a signé un contrat, on a même la date du contrat, le 25 avril 1483. Où les membres de cette confrérie ont demandé à Léonard de Vinci de faire un tableau où il devait représenter la Vierge entourée par deux prophètes, avec l'enfant trônant sur une estrade dorée, entourée par des anges. Oh, mais c'est pas du tout ça. Hein, mais non, ce que je regardais, je fais non, ça n'a rien à voir. Alors, j'allais dire rien à voir. Ah, non. Et alors, au final, je te dis pas d'ailleurs comme ils ont été contrariés, voire même en colère. Quand Léonard de Vinci leur a apporté son tableau, qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient commandé. Et alors surtout, si tu l'observes bien, ce tableau, il est très, très étrange. Alors, on va commencer à le décortiquer, parce qu'en fait, il va nous donner beaucoup de clés pour arriver à percer l'énigme de la Joconde. Alors d'abord, ce tableau, il s'inspire d'une légende. On ne pense pas du tout que ce soit un fait réel. Voilà, une légende voulant que les enfants Jésus et Jean-Baptiste se soient rencontrés durant l'exil de la Sainte Famille. Donc, l'enfant Jean-Baptiste, il est à gauche. C'est celui que tient qui est tenu par la main de la Vierge. C'est Jean-Baptiste. D'accord. Et qui réclame et reçoit la bénédiction de l'enfant Jésus qui est à droite. Alors, qui le bénit avec sa petite main, là. Voilà. Là, c'est l'enfant Jésus. Ce n'est pas lui qui est tenu par la Vierge. Non, 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 d'accord. C'est l'enfant Jean-Baptiste. Alors, donc voilà, il reçoit la bénédiction de l'enfant Jésus. Alors, autant Jean-Baptiste, il est soutenu par la Vierge. On dirait qu'elle doit le tenir, sinon oui. Il risque de tomber. L'enfant Jésus, lui, est soutenu par un ange. Tu vois, l'ange... Il tient l'enfant Jésus, voilà, il le tient dans le dos. Pareil, hein. Ils sont soutenus l'un et l'autre, les enfants. Mais là, l'enfant Jésus, il n'est pas soutenu par sa mère. D'abord, c'est étonnant. Il est soutenu par l'ange, mais pas n'importe quel ange, Florinette, parce que c'est l'ange Uriel. Alors on va en parler un peu plus loin de cet ange. Et là, on a un décor assez sombre, hein, assez sombre, et qui nous... voilà. Dans lequel règne, on va dire, le clair-obscur, le fameux art du
Sfumato, ce n'est pas facile à dire. Ah, c'est un art très particulier, cet art du clair-obscur dont Léonard a été l'inventeur. Bon, on ne peut pas le prouver, mais il y a quand même de fortes chances pour que Léonard ait inventé cet art du clair-obscur. La lumière dans les ténèbres, hein, c'est un peu ce que ça veut dire. Ben, on voit bien. Déjà, c'est magnifique. Ah ouais, c'est très beau. Donc, la première chose, tu regardes ce tableau, tu commences à t'interroger, parce que l'attitude des personnages est assez étrange, et surtout celle de la Vierge. Alors, pourquoi elle est étrange? D'abord, la Vierge, elle regarde que l'enfant Jean-Baptiste. Elle soutient Jean-Baptiste, elle a son regard qui va vers Jean-Baptiste, tout en tendant une main au-dessus de l'enfant Jésus. Regarde la main. Il faut bien. Ouais. Ça fait comme ça. Elle est crispée. Oui. Ce n'est pas une main maternelle. Non, ce n'est pas une main tendre, c'est presque. Ah non, elle est crispée, pour ne pas dire menaçante. Elle est là comme si elle devait parer un danger. Oui. Et au-dessus de la tête de l'enfant Jésus. C'est très étrange. Elle a l'air beaucoup plus matérielle avec Jean-Baptiste qu'avec son propre enfant. C'est étonnant, cette attitude. Hein. Et alors, on dirait même, tu vois, il y a la main de la Vierge et l'ange Uriel qui met comme une protection au-dessus de la tête de l'enfant Jésus, une protection entre lui et la main de sa mère. Tout en désignant Jean-Baptiste. Voilà, c'est ça. L'index. Il peut être important, cet index. Donc, là, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces attitudes très, très bizarres? Alors, déjà, on va trouver un début de réponse. Dans une parole des évangiles, bon, là, je vais faire une citation de l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11, où, voilà, on a Jean-Baptiste, hein, qui baptise dans le Jourdain, et il dit, « Je vous baptise, moi, dans l'eau, en signe de pénitence. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Donc, Jean-Baptiste, c'est le baptême de l'eau. Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a annoncé, c'est le feu. Alors là, tu as déjà une clé. Parce que quand tu regardes le tableau, la Vierge Rocher, là, tu t'aperçois qu'on a symboliquement une représentation de la rencontre entre l'eau et le feu. Attention, ça fait des... c'est l'eau et le feu, hein. Et alors, on va avoir une confirmation avec la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie est traditionnellement associée à l'eau, à l'élément liquide, ce qui lui a valu son surnom de Marie Stella ou étoile de la mer. Donc Marie, la Vierge Marie, c'est l'eau. Elle est liée à l'eau, comme Jean-Baptiste. Jésus, c'est le feu. On vient de le voir avec cette citation des évangiles, mais aussi avec l'ange Uriel. Uriel qui signifie le feu de Dieu. Alors d'un côté, tu as le feu. En fin de compte, d'où les couleurs sûrement de leur cape, parce que là, il y a la couleur bleue. Tout à fait, Florinette. Là, l'autre couleur, là, on peut dire, oui, un rouge-orange feu. Voilà, c'est ça, rouge-feu. Donc voilà, nous avons là une merveilleuse représentation de l'impossible rencontre, on va dire, entre l'eau et le feu. Voilà. Alors, l'eau, du côté de l'eau, la Vierge Saint-Baptiste, enfant. Du côté du feu, l'ange Uriel et l'enfant Jésus. Voilà. Ouais. Déjà. Alors ça, c'est le tout début. Donc, c'est l'incarnation, la représentation du mystère et de l'union accomplie entre les opposés, parce qu'il n'y a pas plus opposé que l'eau et le feu. La matière et l'esprit, on en a souvent parlé, Florinette, dans d'autres émissions. Donc, comme le yin et le yang aussi. Et alors, il y a autre chose, parce qu'à l'arrière-plan du tableau, il faut bien regarder. Hein, je vais le repartager de toute façon. Alors, en arrière-plan, les personnages. Voilà, tu vois sur la rocaille en haut. Oui. Tu as plein de lierres. Oui, là, lierre, et puis là. Qui courent partout le long des rochers. C'est du lierre. Aussi. Alors ouais, pourquoi cette plante, Florinette? Parce que le lierre, et ça c'est pas un hasard, surtout pour un philosophe humaniste qui devait bien connaître les dieux grecs,
et les mythes grecs, parce que le lierre était l'un des attributs vraiment principaux de du dieu Dionysos, Dionysos pour les Grecs, Bacchus pour les Romains, et on lui avait donné le surnom à Dionysos de Chicéus, signifiant le dieu au lierre. Ah oui, d'accord. Au lierre. Donc tout ça, tout le lierre, tu l'as en arrière-plan, là en haut, surtout, on le voit. C'est la plante de Dionysos. Alors pourquoi Dionysos aussi? Parce que selon la légende, ce fils du ciel et de la terre, parce qu'il était à la fois un fils de Dieu, parce que son père était Zeus, le roi des dieux, mais il était aussi l'enfant d'une mortelle. La mortelle Sémélée, qui était la fille du roi Cadmos. Dans l'union des deux, du divin et de l'humain. Très important. Et Dionysos, ce qui est très important aussi, il est né dans le feu. Il est rené dans le feu. Parce que, selon la légende, voilà, sa mère a demandé au roi de l'Olympe, Zeus, de se montrer dans toute sa gloire. Ça, un être humain ne peut pas avoir la gloire d'un dieu. Et alors, il avait promis, il avait fait le serment inviolable qu'il allait lui accorder ce qu'il voulait. Alors, il savait qu'il allait la tuer, mais il ne pouvait pas revenir sur son serment. Donc, le roi de l'Olympe s'est montré à elle dans toute sa gloire. Ça a mis le feu à son corps. Mais avant qu'elle ne meure, il a arraché de son ventre l'enfant qu'elle portait, Dionysos, qui a reçu du coup l'épithète, le surnom d'Inigena, ou né du feu, chez les Latins. Et les Grecs employaient le terme arétotokos pour désigner celui dont l'enfantement est mystérieux. Alors, c'est celui qui est né dans le feu, qui a une naissance mystérieuse. On est dans les mystères. Donc, voilà pourquoi Dionysos est devenu le dieu des mystères par excellence. Ah oui. Bon, tu es un peintre de génie, Florinette. Tu veux représenter l'impossible rencontre entre l'union de l'eau et du feu, patronné par le dieu des mystères, ben, tu ne peux pas faire mieux que la Vierge Rouchée. Ah oui, non, maintenant je comprends que tu as adoré ce tableau, que ce tableau t'a toujours intrigué. Ah oui, mais alors à l'époque, qui me fascinait, mais je ne comprenais rien. Mais il me fascinait. Ah, mais voilà, il y avait quelque chose quand même qui t'attirait. Ah, complètement. Mais là, il m'a fallu bien des années pour comprendre ce que voulait dire ce tableau. Mais voilà, et c'était une fascination quasi hypnotique. Je ne pouvais pas en détacher mon regard. Comme s'il cherchait à me dire quelque chose d'important. C'est ça. Donc, on dépasse la beauté artistique. Parce qu'en même temps, le beau nous révèle une vérité, une grande vérité. Voilà, ça, c'est l'art majeur. Malheureusement, n'est plus trop de notre époque, on va dire. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Voilà, parce que là, le côté artistique, non. Alors, d'abord, voilà. Et en plus, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Voilà, c'est ça qui est grave. Alors qu'à cette époque-là, les peintres, non seulement avaient un talent extraordinaire, mais ils avaient un savoir. Oui. Qui figurait à travers leur chef-d'œuvre, leur tableau qui était vraiment extraordinaire. Donc, ils parlaient à la fois à l'œil, la beauté attirait le regard, mais au-delà de la beauté, il y avait des vérités qui attiraient l'esprit. C'était fabuleux. Donc, voilà. Donc, nous avons dans ce tableau beaucoup, beaucoup de clés déjà. Et alors, ce n'est pas aussi un hasard. Donc, nous avons un clin d'œil à Dionysos dans la Vierge Rouchée, et le lierre partout, le dieu du lierre. Mais Léonard de Vinci a peint un seul tableau qui avait pour thème la mythologie grecque, et il se trouve que c'était Bacchus. Alors, un Bacchus qui ressemble étonnamment au Saint Jean-Baptiste, parce qu'il a fait deux tableaux, hein. D'ailleurs, ça a été vers la fin de sa vie. Il y a déjà Bacchus, c'est celui-ci, je pense. Alors, Bacchus, ça, c'était le seul tableau. Voilà le Bacchus de Léonard de Vinci. Regarde bien l'index. Les index sont importants. Hein. Il y en a qui vont. Il met toujours l'attention sur l'index. Il montre une voie à suivre. Il faut faire très attention aux index dans les tableaux de Léonard. Donc, voilà ce Bacchus, mais qui ressort alors comme deux gouttes d'eau à Saint Jean-Baptiste qu'il a représenté. Voilà, il a représenté les deux tableaux. On est entre 1511 et 1516. Voilà le Jean-Baptiste. Il se ressemble, hein, Bacchus. Ah oui, tout à fait. Et toujours,
L'index. toujours, ouais. Donc déjà, les deux, ils présentent un visage androgyne. Oui. Il y a un mélange de masculin, de féminin. Et les index, très subjectifs hein, dans les tableaux de Léonard. Donc voilà, dans Bacchus, lui, il indique le bâton emblématique de Dionysos, voilà, entouré de feuilles de vigne ou de lierre. Donc c'est le fameux thyrse, c'était le bâton de Dionysos. Et Saint Jean-Baptiste, il nous montre la voie du ciel. Il nous demande de nous élever. Il a cet index qui nous montre d'aller vers le haut. Donc, là, pour Paul Vullio, ces deux œuvres, Bacchus et Saint Jean-Baptiste, auraient représenté le testament de la pensée de Léonard Vinci. C'est pas rien. Hein, mais à condition de se souvenir, toi, pareil, que Bacchus Dionysos est au feu ce que Jean-Baptiste est à l'eau. Voilà, exactement. Donc on a un peu la même là, idée. Voilà. On retrouve là effectivement le feu, l'eau, le mariage des deux. L'impossible, l'union, l'impossible mariage entre l'eau et le feu, mais qui résume tout le mystère. Hein. On va y revenir. Donc, en plus, il faut rappeler que, et ça peut étonner beaucoup de personnes, il y a beaucoup de liens, on va dire, entre Dionysos et Jésus. Parce que, alors, à tel point d'ailleurs que certains auteurs anglais qui n'avaient pas trop compris, si tu veux, ils ont cru que Jésus, le personnage de Jésus, était aussi légendaire de Dionysos, aussi légendaire que Dionysos, tellement qu'il y avait de points communs. Voilà, parce qu'il y avait tellement de points communs, c'est-à-dire Dionysos, il a vécu aussi les affres d'une passion. Il a, comme Jésus, il a reçu le surnom de premier-né, comme Jésus. Il passait aussi pour répandre le feu partout où il passait. Alors là, cette notion de répandre le feu dans le monde, là, on la retrouve plus d'une fois, alors notamment dans les évangiles. Là, on a une parole de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et quand je voudrais que déjà il fût allumé. » Donc Jésus, il venait jeter le feu dans le monde, comme Dionysos. On retrouve des similitudes incroyables. Dans l'évangile de Thomas, chapitre 12, verset 49, on a cette parole. Jésus disait, j'ai semé du feu dans le monde et voici que je le préserve jusqu'à ce qu'il s'embrase. Encore une fois, il jette le feu en attendant qu'il s'allume. On a aussi le lien entre la vigne avec Jésus et Dionysos. Alors, Dionysos, on le sait, Dionysos Bacchus. Dieu de la vigne, Dieu du vin. Bon, ça, je crois que tous les amoureux du vin le savent. Ça, je crois que c'est assez connu. Bon, mais il faut rappeler aussi qu'il y a un lien très étroit entre le symbole de la vigne et Jésus. Notamment, encore une parole là, de l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. On a plein de similitudes. Là, je t'en cite que quelques-unes. Hein. Entre Dieu, le personnage légendaire mythique de Dionysos et la personne de Jésus, mais qui n'était pas un mythe, lui, qui n'était pas une légende. Mais il faut comprendre pourquoi il y a ces relations, ces similitudes entre un dieu de légende, hein, une fiction, on va dire, mais inventée pour nous révéler un savoir enseigné dans les mystères, et l'homme qui est venu après, bien plus tard, des siècles plus tard, qui a incarné et accompli le mystère. Mais ça, il y a des auteurs qui n'ont pas du tout compris et qui, du coup, ont cru que Jésus était un personnage aussi légendaire que Dionysos. Voilà. Alors, là, on commence. Hein. On commence, il va un peu plus clair. Oui. Et alors, là, on va revenir à la Vierge Rocher avec une citation de Serge Bramley, encore, qui a posé cette question hein, dans sa biographie sur Léonard de Vinci. Pourquoi le petit Saint-Jean que l'archange désigne d'un doigt formel à l'attention du spectateur, occupe-t-il une position prédominante dans un rétable dédié à l'Immaculée Conception de Marie? Il ne comprend pas, Serge Bramley. Pourquoi c'est vrai? On a l'impression que l'enfant Saint-Jean-Baptiste, enfin Jean-Baptiste plutôt, parce que c'est avant qu'il devienne Saint-Jean, est plus important que Jésus. On met vraiment on attire notre attention.
sur Jean-Baptiste plutôt que sur l'enfant Jésus. Pourquoi? C'est vrai. Alors là, il s'interroge, Saint-Jérôme. Alors, on va essayer déjà de répondre à la question, parce que c'est l'enfant de l'eau. Il ne faut pas oublier, c'est l'enfant de l'eau qui occupe le dauphin de la Seine, parce qu'il représente, qu'est-ce qu'il représente cet enfant de l'eau? Ben, c'est nous l'enfant de l'eau, on est tous les enfants de l'eau, puisque nos corps se sont formés dans l'eau, dans l'eau. Du ventre de nos mères. Nous sommes tous les enfants de l'eau, mais nous devons devenir les enfants du feu. C'est ça. Alors, l'enfant de l'eau, c'est l'homme de chair qui naît dans une nature mortelle, hein, puisque voilà, c'est ce corps qui s'est formé dans l'eau est condamné à mourir. Donc, mais il n'est pas condamné à mourir s'il accepte le baptême brûlant, le baptême du feu, que lui propose l'enfant Jésus. Alors, on comprend là pourquoi la main de la Vierge qui crispait, parce que c'est terrifiant pour l'enfant de l'eau d'accepter le baptême du feu. Bah oui, tout à fait. Là, on comprend, c'est mais cette tension là entre les personnages. Et Marie est du côté de l'eau, faut pas l'oublier. Marie est du côté de l'eau. Et elle met cette main pour montrer, attention, il y a un danger. Ouais, non, mais on le voit bien, hein, de toute façon. C'est la bénédiction de l'enfant Jésus, ce que peut apporter Jésus en tant qu'incarnation, voilà, du feu qu'il est venu semer, attention, c'est dangereux. Voilà. Attention. Doucement. Donc là, on comprend mieux. On comprend mieux. Ah oui, complètement. Par contre, l'ange Uriel, il désigne Jean-Baptiste. Oui. Oui, c'est lui qui doit être sauvé, c'est lui qui doit recevoir le baptême du feu. Donc, c'est lui le plus important. C'est l'être qui vient réclamer la seconde naissance par l'intermédiaire du baptême du feu. Alors, cette seconde naissance évoquée, là, je l'ai souvent citée, mais je vais la réciter encore, cette parole-là, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 5 à 7, quand voilà, Nicodème, nuitamment, est venu demander à Jésus voilà, son enseignement. Et il ne comprend pas Nicodème quand il lui dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. » Mais pour naître d'en haut, il faut recevoir le baptême du feu. Il faut que l'enfant de l'eau accepte. Bien sûr. De passer par ce feu. Et là, nous sommes voilà, dans le mystère de la seconde naissance. Et cette seconde naissance qui incarne tout le mystère de la renaissance. La renaissance. Donc là, on comprend, voilà d'où ce mot de renaissance. D'accord. Je me suis souvent posé la question. Je dis, mais pourquoi on a donné à cette époque le nom de Renaissance? Ouais. Parce que c'est les philosophes humanistes qui ont voulu, ils ont fait un jeu de mots encore. Renaissance, d'abord, ils ont retrouvé le savoir qui menait au mystère de la renaissance, de la deuxième naissance par l'union de l'eau, la matière, et du feu, esprit. Donc voilà, c'était le mystère central qui était enseigné bien avant la naissance de Jésus dans les écoles des mystères et qui est indissociable de la figure de Dionysos Bacchus. Pourquoi? Parce que Dionysos est appelé le dieu aux deux naissances. Digenes, ça se dit en grec. Ou le deux fois né, Digonos. Donc voilà, la deuxième naissance que Jésus essayait d'expliquer à Nicodème qui ne comprenait rien. Il croyait qu'il fallait revenir dans le ventre de sa mère. Il n'avait rien compris, le pauvre. Donc, ce mystère de la renaissance, de la double naissance, est incarné par le dieu Dionysos, voilà, dont la fable, le mythe, nous dit qu'il est né deux fois. Il est rené dans le feu. Alors voilà, là tu as tous les éléments déjà. Et nous avons dans l'évangile de Philippe, ça c'est un évangile gnostique retrouvé à Nagamani, une parole aussi au Logion 76 qui nous dit « Plonger dans l'eau et la lumière conduit à la résurrection et à la liberté.
Ah, donc, il faut le baptême de l'eau. Bah, le baptême de l'eau, c'est la naissance. Hein. On Oui. l'a tous à la naissance, il faut aller le baptême de l'eau. Même si on n'est pas baptisé par l'Église, on a notre baptême de l'eau, hein, dès qu'on vient au monde. Mais ça ne suffit pas. Il faut être baptisé par la lumière, qui est l'incarnation de ce feu aussi, pour qui conduit à la résurrection, à la liberté. Alors là, voilà. Déjà, on vient de décoder la Vierge au rocher. Donc là, on vient de rentrer au cœur du mystère. Et qui nous permet de comprendre pourquoi le peintre Raphaël, qui a fait une superbe fresque au Vatican, l'école d'Athènes. Alors, l'école d'Athènes, il a voulu donner au personnage central qui figure Platon. Alors voilà, la fresque de Raphaël, elle est magnifique. Au centre, il y a un vieil homme Oui. drapé de rose qui est Voilà. censé représenter Platon. Hein, D'accord. comme... Mais il a la tête de Léonard de Vinci, vieux. Eh oui, ça c'est Léonard de remarqué. Vinci. Et pourquoi on le sait? Bon, d'abord, la ressemblance avec le visage, mais en plus, il est vêtu de rose. Et Léonard de Vinci était connu, voilà, pour avoir cette lubie un petit peu, cette excentricité de s'habiller en rose. D'accord. C'est pas banal à l'époque. Hein. Donc là, entre le visage, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Léonard de Vinci, et la draperie rose, tu ne peux pas te tromper. Mais nous savons qui figure Platon et qui enseigne à Aristote, qui est à droite là. Et tu remarqueras l'index du personnage, l'index vers le haut, Mais oui, là. qui enseigne les mystères pour aller vers le haut, vers le divin. Le même index sur le tableau de Jean-Baptiste, C'est pareil. qui désigne. C'était leur signe de reconnaissance. Ouais, voilà, c'est ça. La voie à suivre, mais la voie, elle est vers le haut, la voie verticale, la voie qui mène de l'humain au divin, de la terre au ciel. Donc, on montre où est-ce qu'il faut aller, hein, la direction à prendre. Et alors, il faut savoir que Platon, et ce que savaient forcément les humanistes, était surnommé le père des mystères. Le père des mystères. Alors, Léonard de Vinci, l'homme des mystères. Platon, le philosophe, le père des mystères. Il faut savoir aussi, parce que là, je crois qu'il y a très peu de gens aussi qui l'ont compris, que toute la philosophie de Platon repose sur le savoir enseigné dans les écoles des mystères. Ça, il y a très peu de gens, je crois même des professeurs malheureusement, qui n'ont pas du tout fait le lien. Et ça, c'est capital. Et alors, comment on le sait? Ben, il y a un passage du Phèdre, un des dialogues de Platon, qui s'appelle le Phèdre. Au passage 250C, voilà pour donner la référence. Alors voilà le Phèdre de Platon. Alors il nous dit, il raconte Platon, hein, il nous laisse entendre voilà qu'il a été lui-même initié au mystère. Alors voilà le passage. Cette initiation, nous la célébrions dans l'intégrité de notre nature, à l'abri de tous les maux qui nous attendaient dans le temps à venir. Intègre, simple, immuable et bienheureuse étaient les apparitions dont nous étions comblés en tant que mystes et époptes. Car dans une lumière pure, nous étions purs. Nous ne portions pas la marque de ce tombeau que sous le nom de corps nous promenons à présent avec nous, attachés à lui comme l'huître à sa coquille. Alors, là, il prononce les noms mystes et époptes. Qu'est-ce que c'est? Mystes, c'est le prétendant au mystère, celui qui va se faire initier au mystère. Et l'époptes, alors là, c'est encore mieux, parce que ce nom, ce mot époptes, il nous renvoie au terme qui désignait les initiés parvenus au plus haut degré d'initiation, au plus haut. Et pourquoi époptes? Parce que ça venait, voilà, c'était la personne qui avait été admise à la contemplation des mystères au cours d'une cérémonie qui s'appelait l'époptie. Époptie, qui veut dire contemplation. Tu avais accès, tu étais autorisé à assister à ces cérémonies de l'époptie, et donc tu devenais après un épopte. Ça veut dire que tu avais contemplé le mystère. Et alors, dans cette cérémonie, ben, on sait, tout ce que l'on sait, c'est qu'on faisait contempler aux initiés du plus haut degré un grain de blé. Alors là, ça peut paraître décevant, hein? Tout ça pour ça, un petit grain de blé. C'était le hiérophante, celui qui enseignait les mystères, qui avait dans sa main, voilà, un grain de blé. Mais alors pourquoi? Alors si tu connais le grec,
Tu sais que le mot pyros en grec désigne à la fois le blé et le feu. Voilà. Et le feu. Alors là, on va citer un commentaire de Fabre d'Olivier, pardon, qui était aussi un très très grand érudit, et qui nous a dit l'épopte d'Eleusis, hein, Eleusis c'était la ville où on enseignait les mystères, alors l'épopte d'Eleusis, de Samothrace ou Hiérapolis, se regardait comme le premier des hommes, le favori des dieux et le possesseur des trésors célestes. Le soleil brillait à ses regards d'une clarté plus pure, et la vertu sublime qu'il avait acquise dans des épreuves de plus en plus difficiles et des leçons de plus en plus élevées lui donnait la faculté de discerner le bien et le mal, la vérité et l'erreur, et d'en faire un libre choix. Voilà. Il avait contemplé le mystère, et donc après, ça lui donnait une toute autre vision des choses, du monde, de la vie. Donc voilà, il avait son esprit au plus haut, dans ce grain de feu, bon, en fait, voilà, ce feu hein, qui peut transformer la matière. Parce que ce n'est pas le feu ordinaire, attention! Non, 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 C'est confondre, pas le feu de confondre, cheminée, confondre. c'est pas le feu. Non, 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 attention. Mais oui, mais il faut préciser. Oui, C'est oui, vrai, c'est t'as vrai. raison, t'as raison. Le feu de Dieu, Uriel. Souvenons-nous de l'ange d'Uriel, le feu de Dieu, le feu secret, le feu caché. On va pas le voir de nos yeux, mais en fait, il est là en toutes choses, parce que c'est lui qui donne la vie à toutes choses Bien et sûr. qui brûle en nous. Et puis qui brûle en nous. Voilà, mais ce n'est pas un feu qu'on va voir de nos yeux. Alors, le problème, c'est que voilà, la plupart des spécialistes des religions mystères nous disent que voilà, il ne faut pas chercher à percer les mystères qui étaient enseignés dans ces écoles pour une raison voilà, qui a été évoquée voilà, par le défunt, parce qu'il n'est plus de ce monde. Bah, c'était le professeur Walter Burkert qui a dit, même si nous avions un compte-rendu très complet, ou même un vidéofilm, comme les anthropologues modernes en réalisent pour nous documenter sur les coutumes exotiques, tout nous paraîtrait étrange, voire incompréhensible. Donc voilà, même si on assistait à une épopée, une Oui, cérémonie, on ne comprend on ne pas. comprendra rien. C'est vrai, ça pourrait paraître très étrange. Bien Hein, il faut sûr, se rendre bien sûr. compte. Pour la mentalité d'un homme moderne, ça paraîtrait complètement incompréhensible. Alors voilà, on nous dit qu'il ne faut pas trop chercher à savoir. Ben oui, mais seulement ce que ces spécialistes n'ont pas compris, c'est que la clé des mystères a été encodée dans les mots, et notamment dans les mots grecs. Et c'est ce qu'ont trouvé les humanistes de la Renaissance. Ils ont trouvé la clé des mots, plutôt la clé des mystères en trouvant la clé des mots. Ils ont retrouvé le savoir dans les mots qui étaient encodés dans. Alors tu comprends maintenant pourquoi ils plaçaient le grec au-dessus de toutes les autres langues? Parce que Bien c'est. sûr. Voilà. Ils ont trouvé la clé des mystères dans la clé des mots. Et là, voilà, c'est pour ça qu'ils accordaient aux Grecs une importance incroyable, comme Érasme. Alors Érasme, le prince des humanistes, on l'appelait. Je ne sais pas pourquoi on disait le prince, il était vraiment voilà, très très réputé. Voilà, Érasme. Ah, j'aime beaucoup Érasme. Il faut lire l'éloge de la folie, il faut lire. C'est magnifique. Qu'on le comprend aussi, qu'on comprend l'idée voilà, cachée de l'auteur. Alors, Érasme, il a écrit un théologien, un ami à lui, un théologien, Martin d'Orpius, il lui a écrit: Je pourrais t'énumérer par leur nom une foule de personnes qui, sous des cheveux blancs, sont redevenues enfants en apprenant cette langue, le grec, parce qu'enfin, elles avaient remarqué que sans elles, l'étude des lettres était manchote et aveugle. C'est-à-dire, si tu n'avais pas la clé des mots, tu ne pouvais rien comprendre au texte de l'Antiquité. Tu ne pouvais pas interpréter au sens le plus profond. Mais il a rajouté, mais en voilà beaucoup trop sur ce point. Il avait peur de trop en dire. Oui. Il ne fallait pas révéler le mystère. Donc voilà, on voit à travers cette phrase d'Érasme à quel point les humanistes voilà, voulaient respecter le silence qui était demandé aux initiés. Tous les initiés étaient tenus par la loi du silence, sous peine de mort à l'époque, hein. Alors, dans l'Antiquité. Hein. Donc là, heureusement, les temps ont changé parce que là, on est.
terminé. Donc voilà, il ne fallait pas pour eux révéler les secrets à ceux qui en seraient indignes. Il fallait le mériter. Ça rejoint un peu cette phrase des évangiles, ne pas jeter les perles au pourceau. Oui, il faut le mériter. Il faut prouver sa valeur pour mériter de recevoir ce savoir. Donc, on a compris là qu'il était impossible que l'homme qui incarnait le mieux l'esprit de la Renaissance, Léonard de Vinci, puisse ignorer le grec, du moins les mystères qui étaient encodés dans les mots grecs. Et là, ça va être voilà, vraiment notre clé, hein, notre clé pour comprendre, pour arriver justement à révéler l'énigme de la Joconde. Mais alors, avant d'arriver à la Joconde, on va décrypter encore quelques œuvres de Léonard de Vinci, et notamment, voilà, comprendre pourquoi, comme tous les humanistes, avec un H majuscule, je répète, Léonard de Vinci plaçait l'homme au centre du monde. Il n'y avait rien de plus important que l'homme. Bon, on se demande pourquoi, hein, parce que, à première vue, on n'a rien d'extraordinaire. Non, voilà, c'est ça. On n'est pas le nombril du monde. Voilà, alors pour ceux qui auraient la grosse tête, en fait, oui, non. Oui, non. Alors, cette vision anthropocentrique, tu mets l'homme au centre du monde, elle ne va pas s'opposer à la vision théocentrique. C'est-à-dire, théocentrique, tu mets Dieu au cœur du monde. Alors, souvent, là aussi, c'est totalement incompris. Quand tu mets l'homme au cœur du monde, la plupart du temps, on dit ça s'oppose avec la vision de mettre Dieu au cœur du monde. Mais en fait, ça ne s'oppose pas, Florinette. Parce que les deux ne font qu'un, j'ai envie de dire. Le divin étant dans l'homme. Donc, voilà. Et oui, les deux sont au cœur du monde. Donc, on n'a pas opposé les deux. C'est complètement absurde, en fait. Alors, cette notion voilà, de mettre l'homme au cœur du monde. Et il disait d'ailleurs aussi, Léonard de Vinci, l'homme est le modèle du monde. Ça va loin. On se dit pourquoi. Alors, cette idée, l'homme au cœur du monde, l'homme modèle du monde, tu la retrouves dans le fameux dessin de l'homme de Vitruve. Alors, je ne sais pas si tu as réussi à trouver une illustration, je n'ai pas réussi, moi. Ah ben voilà, Florinette. Alors là, c'est merveilleux, parce que moi, je n'ai pas arrivé à trouver une... En plus, sur cette illustration, on peut voir l'écriture de Léonard de Vinci. Là, Oui, à l'envers. Hein, à l'envers, parce que là, on voit Leonardo da Vinci, et là, on voit bien que l'écriture est à l'envers. À regarder dans le miroir. Hein. Voilà, tout à fait. Regardez. Alors, là, il y a tout sur cette image. Alors, ça, c'est le plus fameux dessin de Léonard de Vinci, je crois que tout le monde le connaît. Cet homme de Vitruve. Alors, qui lui a été inspiré, il faut le savoir, par l'architecte romain Marcus Vitruvius Pollio, qui a mis en lumière les divines proportions du corps humain. Mm-hmm. Alors, cet architecte, il avait écrit « Le centre du corps humain est par nature le nombril. Bon, » tu vois le nombril, on le voit bien au milieu du dessin du corps. De fait, si l'on couche un homme sur le dos, mains et jambes écartées, et qu'on pointe un compas sur son nombril, donc la pointe du compas, tu la mets sur son nombril, on touchera tangentiellement, en décrivant un cercle, l'extrémité des doigts de ses deux mains et de ses orteils. Donc, tu vois, tu as l'homme qui fait un cercle là. D'accord, ouais. Mais ce n'est pas tout. De même que la figure de la circonférence se réalise dans le corps, de même on y découvrira le schéma du carré. En effet, si la mesure est prise d'un homme depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête et qu'on reporte cette même mesure sur la ligne définie par ses mains tendues, la largeur se trouvera égale à la hauteur, comme sur les aires carrées à l'équerre. Donc nous avons l'homme qui est dans le cercle et l'homme dans le carré. Tout à fait. Donc voilà la divine proportion de l'homme révélée par cet architecte, voilà, Marcus Vitruvius Pollio. Donc, Léonard de Vinci, il a créé ce dessin sur la base voilà, de ses propos de cet architecte. Donc là, on a l'impression que Léonard de Vinci a voulu résoudre la quadrature du cercle. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Ah oui, non, mais c'est un peu l'idée, ouais. Ça va beaucoup plus loin que de résoudre un problème mathématiques, géométriques. Ah oui, non. On aura compris pourquoi. Parce que ce passage du carré, le carré, c'est le terrestre, le matériel.
La La matière. matière, ouais. Au cercle. Le C'est cercle, c'est le divin. ouais. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? L'homme du carré passe à l'homme du cercle. C'est le passage de l'humain au divin, au plan divin. C'est ça. C'est fou d'avoir résumé dans l'homme du Ah, vitrail. T'as tout. Oui, c'est ça. Pour ça, c'est vraiment un résumé extraordinaire. Mais les deux ne s'opposent pas, ils se marient. Ah ben là, oui, de toute façon, on voit bien. Ils sont unis l'un dans l'autre, il faut bien comprendre. Donc, seulement quand on fait cette transformation, ce passage du plan humain au plan divin, on va acquérir. Mais on doit acquérir, enfin, on doit l'acquérir avant et puis pendant aussi, une pureté. Voilà, c'est vraiment une notion de pureté très importante qui est associée à celle des élus, voilà, qui sont appelés à rejoindre la Jérusalem céleste. Et cette Jérusalem céleste, elle est carrée. Il ne faut pas l'oublier. Elle est carrée. Mais rien de souillé. Ça, c'est le passage dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Rien de souillé ne peut rentrer dans cette Jérusalem céleste. Donc, il faut acquérir une pureté totale. En transformant tout ce qu'il y a d'humain en divin. Parce qu'il ne peut rien divin. rester vraiment d'humain. Ce ne serait pas assez pur. Il y aurait toujours quelque chose qui serait, voilà, qui serait pas digne de rentrer dans cette Jérusalem céleste. Donc, rien de souillé. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la devise d'un animal. Voilà, dans les bestiaires du Moyen-Âge, tu te retrouves aussi, voilà, des devises liées à des animaux. Et il y a un animal qui a pour devise plutôt mourir que me souiller. Oui. Plutôt mourir que de perdre sa pureté. De ne plus être... Et c'est l'hermine. C'est l'hermine qui a cette devise. Et pourquoi je me suis intéressée à ça? Ben voilà, la dame à l'hermine. Ça de suite à l'hermine. Ça nous amène directement à la dame à l'hermine de Léonard de Vinci, bien sûr. Alors qu'on va décortiquer aussi. Parce que cette dame à l'hermine, alors déjà, voilà, pourquoi mettre une hermine dans ses bras? Ben oui, ça déjà. Ouais. Tu peux mettre un chat, un chien, ouais, c'est ça. Une hermine, c'est plus compliqué. Ben oui. Vu le caractère de l'animal, c'est déjà plus compliqué. Alors, ce tableau, il est conservé au musée alors, Czartoryski, je ne suis pas sûre en prononciation, à Cracovie, en Pologne. Voilà, c'est le tableau La Dame à l'hermine que Léonard de Vinci aurait achevé aux environs de 1490. Alors, il représente ce tableau. La maîtresse favorite du seigneur du Milan, Ludovic Sforza, surnommé le mort, et dont le nom aurait permis de faire un jeu de mots avec le grec galé, désignant la belette. Donc voilà, elle s'appelait cette dame Cecilia Galerani. Et il y aurait eu un jeu de mots avec le grec, encore le grec, Florinette. Encore le grec, oui. Ça prouve aussi, encore une fois, que Léonard savait très bien le grec. Donc Galerani, galé, en grec, c'est la belette qui est apparentée à l'hermine. Bon, c'est l'explication déjà en premier. Mais alors, qu'est-ce qui te surprend là, en premier dans ce tableau, Florinette? Moi, la première chose que j'ai vue dans ce tableau, parce que ça m'a interpellée, il faut faire très attention aux mains dans les tableaux de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qui te choque là? Moi, ça m'a choquée. Bon, c'est vrai que je suis un peu obsédée par les mains, voilà, d'étudier les mains, tu vas me dire. Mais bien avant de faire ça, la première fois que j'ai vu ce tableau, je me suis dit, mais ça, c'est quand même bizarre. La main de la dame. Elle est quand même assez... Regarde, l'attitude de sa main. N'oublie pas les attitudes. Oui, c'est ça. Elle est assez crispée, c'est ça? C'est dans le côté. Ah bah oui. Crispée. Voilà. Qu'elle tient pas, elle ne tient pas l'hermine tendrement. On sent que... Ah ben non, elle n'est pas caressée gentiment. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Regarde la main. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on la voit, elle est bien crispée, bien tendue. Voilà. Qui se crispe comme s'il était sur le point de mourir. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et en plus, elle est très longue, cette main. Oui, elle est très longue, ouais. Je ne sais pas si la dame en question avait de longues mains. Si... Mais quand même, là, tu vois que ça. Ouais, tu ouais. vois ça. Mm. Je dis, mais pourquoi elle a cette main crispée? Alors comme que si elle se réduisait de plomb au contact de l'hermine. Ouais, ouais, c'est ça. Alors qu'elle a un visage très doux, et puis c'est vrai que la main, elle peut... Alors là, on ne comprend pas. Ouais. Seulement, il faut savoir que l'hermine, selon la légende, des bestiaires du Moyen-Âge, et l'animal qui incarne le sacrifice jusqu'à la mort.
D'accord. Alors là, tu commences à y voir un petit peu plus clair. Alors, d'autant que Léonard Vinci a écrit dans un de ses cahiers, un petit carnet connu sous l'appellation manuscrit H, il a écrit une petite phrase. Il a écrit « L'hermine se laisse capturer par les chasseurs plutôt que de se réfugier dans un terrier plein de boue pour ne pas entacher sa pureté. » Alors, ça renvoie à la légende, à la devise de l'hermine, hein, « Plutôt mourir que me souiller. » Oui, c'est ça. Et là, il nous rapporte, Léonard, que, alors, bon, un génie comme Léonard, Florinette, il ne pouvait pas prendre cette légende au pied de la lettre. Une hermine qui attend devant son terrier et que le chasseur vienne la tuer plutôt que salir sa fourrure. Ce n'est pas possible. Alors, mais pourquoi il a pris la peine d'écrire ça? C'est ça, la question. Oui, c'est ça, ouais. Donc, alors on comprend un peu mieux aussi. Là, je vais te citer une phrase du Bestiaire du Christ, que j'ai souvent citée aussi, de Louis Charbonneau-Lassé, qui nous dit « L'hermine a été l'un des rares symboles hivernaux de la résurrection. Et ce fut parce que brune en été, elle semble alors disparaître pour reparaître dans sa blancheur au retour de la saison glacée. Donc cet animal est devenu le symbole du sacrifice jusqu'à la mort, de la résurrection. Et elle passe du brun au blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Le brun, bon, on peut l'associer à notre nature mortelle. C'est sombre. C'est pas pur. Non, par non, contre, tout à fait. Elle va mourir, elle va faire le sacrifice de sa vie jusqu'à la mort pour acquérir la pureté. La pureté, la lumière. Après la résurrection. Donc, il y a tout cet ensemble de symboles. Donc déjà, voilà, tu comprends qu'elle a mis une hermine dans les bras de la dame. Alors, en plus, il y avait une croyance moyenâgeuse selon laquelle la belle hermine était capable de ressusciter les morts parce qu'elle savait reconnaître l'herbe vivifiante qui ramenait les défunts à la vie. Tu vois le lien entre le. C'est assez incroyable. Ah oui, Léon. Alors, pour toutes ces raisons, voilà, on a fait de l'hermine l'image même du Christ, du Sauveur, dont elle a symbolisé la pureté par la blancheur de son pelage, le sacrifice jusqu'à la mort, voilà, et le pouvoir de vaincre la mort par les résurrections. Et on a accordé aussi, la légende disait que la fragile hermine était capable de terrasser l'invincible basilic, le serpent là qui était terrible. Donc, on lui donnait ce pouvoir. Donc tout ça, tu le retrouves symboliquement associé. Voilà. Donc le pouvoir de la pureté, voilà, symbolise la pureté, le sacrifice et le pouvoir de vaincre la mort. Et la mort pour Léonard de Vinci, il considérait la mort comme le mal absolu. Donc, on ne pouvait pas vaincre le mal tant qu'on n'avait pas vaincu la mort. Pour lui, c'était ça. Et alors, le regard de la dame à l'hermine, là, on peut la remettre à l'écran, Florinette. Ben, elle nous incite à regarder où? Alors, on est à l'envers, mais tu regardes? Elle regarde quelque chose à son côté. Oui, elle regarde quelque chose. Tu as envie de dessus. Mais qu'est-ce qu'elle regarde? Mais qu'est-ce qu'elle regarde? Tu vas regarder sur ta droite. Mais elle regarde, c'est plus lumineux, ce côté. Alors oui, le côté lumineux aussi, Florinette, parce que c'est la source de lumière qui l'éclaire. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme si la lumière l'appelait. Ouais. Alors pour elle, c'est sur sa gauche. Mais toi, tu regardes le tableau. Donc tu as envie, tu es incité à regarder vers la source de lumière qui se trouve à droite. Et la droite, ben, c'est la voix de Dieu. Et oui. Ça se sait toujours. Et oui, bien sûr. À la droite de Dieu, voix de droite, la voix du divin. Donc, elle nous demande, tournez votre regard vers la source de lumière qui se trouve à droite. Donc, vers le divin. Mais, pourquoi elle a des perles noires, cette dame? Parce qu'elle n'a pas encore accompli le sacrifice. La perle, si elle est blanche, c'est un symbole de pureté. Oui. Mais là, les perles sont noires. Noires. Elle demande à faire le sacrifice pour acquérir la pureté, pour rejoindre la voie de la lumière. C'est pour ça que je m'étais dit, mais pourquoi elle a des perles noires plutôt que blanches? La purification, ce n'est pas encore accompli. Elle doit se faire par le sacrifice. Alors, tu vois la main, tu comprends pourquoi la main est crispée? Oui, puis on retrouve, en plus, regardez les couleurs, on retrouve la couleur qu'avait la Vierge dans le... Un peu sombre, un peu sombre. Voilà, Parce que toujours c'est le bleu mais... pour l'eau et puis le feu.
Tout à fait, Florian, tout à fait. On retrouve ces... L'eau, le feu. Ouais. Et là, on a l'être qui est attiré par la lumière, qui où il doit aller, hein, la voie de droite, hein, nous indique la voie de droite, mais qui n'a pas encore accompli le sacrifice, mais qui l'accepte déjà parce qu'elle tient en elle l'hermine, L'hermine, le ouais. symbole du sacrifice. Magnifique ce tableau aussi. Hein. Ah oui, là on comprend mieux là. Ah ben là, on comprend mieux. Ouais, non, non, là, une fois qu'on a tout ça, Comprend beaucoup ok. mieux. Donc voilà. Alors, on sait que le chemin encore de cette dame à l'hermine va être encore assez long et périlleux. Hein. Mais Il y a encore tout un chemin de purification jusqu'au sacrifice et qui va amener après la transformation. Et donc, là, oui, le chemin encore va être long. Comme celui que Léonard de Vinci aussi, il a accompli, il a fait un long chemin périlleux aussi pour arriver jusque sous la protection du roi des humanistes, François Ier. Alors, je voulais toucher un petit mot, on va dire, dire un petit mot sur François Ier. Alors, ce roi des humanistes, voilà, ce roi des humanistes. Alors, déjà, il faut savoir que par son éducation, François Ier a été initié aux lumières de l'humanisme. Donc, tu te doutes, Florinette, que voilà, il a une éducation, comme on devrait en donner à tous les enfants, malheureusement. ben Voilà. oui. Tout comme sa sœur aînée, qui était la très érudite Marguerite d'Angoulême. Elle était peut-être encore plus érudite, elle avait encore plus de savoir que son frère. Toujours est-il, ce n'est pas un hasard. Si Léonard de Vinci, il a risqué sa vie hein, pour arriver jusqu'à lui, hein, depuis l'Italie, faire le voyage, en plus, il était quand même plus très jeune. Donc, il voulait à tout prix se placer sous la protection de ce roi, parce que c'était le roi des humanistes. Il avait des connaissances, ce roi, qui lui permettait de comprendre l'œuvre et la pensée de Léonard de Vinci. Alors, on l'a appelé le roi bâtisseur parce qu'il a fait des châteaux magnifiques, mais surtout, il a laissé sa marque à travers un symbole, Fouinette. Oui, je vais dire d'où son emblème. Voilà! Alors, ben là, je t'en ai envoyé un ou deux, je ne sais plus. Je crois que Alors, la fameuse salamandre dans le feu. Voilà. Alors, avec une devise, on va dire. Alors, en latin, la devise qui va, cette fameuse salamandre, voilà, qui s'épanouit dans le feu, on aura bien compris. Alors, la devise, c'est Nutrisco et Estengo, je m'en nourris et je l'éteins. Mais Charbonneau-Lacé nous donne une traduction un peu plus précise. Je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais. Ah Ah, oui. parce qu'il y a deux feux. Ah oui, il y a deux feux. Non, ben, il y a le feu physique, il y a le feu de la chair aussi, le Bien feu qui sûr. vit. Ouais. Il y a le feu de Dieu, il y a le feu sacré. Donc, cette salamandre, elle est bien, mais elle est dans le feu le plus sacré, on s'en doute, parce qu'elle a éteint complètement le mauvais feu qui aurait pu la brûler. Le mauvais feu te brûle, te consume. Il te consume aussi, c'est lui qui te fait vieillir, hein, qui désagrège un petit peu voilà, ton corps, alors que le bon feu, lui, il t'amène à un Voilà, état ouais, c'est forcément. ça. Donc il y a le bon et le mauvais feu, il y a deux feux. Donc alors voilà, cette devise de François Ier qu'on connaît, les connaissances et les mystères que détenaient les humanistes. Bon, alors, on ne se pose pas trop de questions de savoir pourquoi il a choisi cet emblème, bien sûr Non. inspiré par ses maîtres humanistes. Voilà. C'est évident. Donc cette propriété légendaire aussi de la salamandre, c'est pareil, tu la retrouves dans les bestiaires, voilà, qui est censée vivre dans le feu, s'en nourrir et tout. Eh bien, ça nous renvoie à des paroles aussi de la Bible, de l'Ancien Testament notamment. Notamment un oracle du prophète Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 2, si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas et la flamme ne te brûlera pas. Ah oui, parce que l'être qui est assez pur pour recevoir ce baptême du feu, passe par le feu, n'en souffre pas et n'est pas brûlé. Et c'est pour ça qu'il faut acquérir une grande pureté avant de se soumettre à ce baptême, sinon il va te réduire en cendres. Donc la pureté est indissociable, sinon tu ne passes pas le baptême, quoi. Alors, il y a aussi un passage dans le livre de Daniel qui nous rapporte un fameux épisode qui nous parle
Voilà, quand le roi Nabucodonosor a fait jeter de jeunes Hébreux dans une fournaise. Alors, le passage, il nous dit, alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdénago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Bon, un feu d'enfer, hein, on va dire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdénago et de les jeter dans la fournaise du feu ardent. Alors on ligota ces hommes, vêtus de leurs manteaux, de leurs tuniques, de leurs bonnets et de leurs autres vêtements, et on les jeta dans la fournaise de feu ardent. Là-dessus, comme l'ordre du roi était strict et la fournaise extrêmement chauffée, la flamme brûla à mort les hommes qui y portaient Sidrac, Misac et Abdénago. Donc, leurs bourreaux, ils se sont fait brûler. Non, c'est ça. Et eux, non. Et ces trois hommes, Sidrac, Misac et Abdénago, tombèrent ligotés au milieu de la fournaise de feu ardent. Or, ils marchaient au milieu des flammes. Ils louaient Dieu et bénissaient le Seigneur. Donc, eux, pas de problème, ils marchaient au milieu des flammes. Même pas mal. Même pas mal. Alors que ceux qui les avaient portés dans la fournaise avaient grillé. Donc, c'est à savoir, ces trois jeunes Hébreux, des trois êtres qui étaient prêts. Ouais. Assez pur pour recevoir le baptême du feu, mais par contre, ceux qui les avaient condamnés à mort, ils n'étaient pas purs. Non. Là, ils ont été payés à ces calomnies. Bon, voilà, c'est une allégorie parmi tant d'autres, Florinette, on en a tellement parlé, du baptême du feu qui engendre. Alors là, on va aller encore une fois, encore plus profondément au cœur du mystère, le baptême du feu qui engendre les dieux aux deux mers. Deux mères. Alors là, on va révéler, on va interpréter encore un tableau avant d'arriver à la Joconde. Hein. Oui, non, mais c'est bien. On suit le fil. Alors là, voilà, il faut rappeler que quand il est arrivé au manoir de. Il est venu s'installer, voilà, à Amboise, au manoir de Clou, au baptisé le Clou Lucie, Léonard de Vinci, alors venant se placer sous la protection de François Ier, avait emporté 3 peintures. Bon, la Joconde, plus importante à ses yeux. Le Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Et la Sainte-Anne que tu viens de mettre à l'écran. Parfait. Alors, la Sainte-Anne avec sa fille Marie et l'enfant Jésus. Alors, c'est pareil, ce tableau. Si tu prends la peine de le regarder un peu attentivement. Alors, déjà, moi, le premier effet qui m'a fait ce tableau, j'avais l'impression de voir double. Je m'étais mis un petit peu à loucher. Pourquoi? Regarde le visage de Sainte-Anne, voilà, la femme du milieu, on va dire, en haut. Sainte-Anne. D'accord. Marie est en dessous d'elle. D'accord. Mais il y a quelque chose qui te choque. Parce qu'en général, une maman a l'air plus âgée que sa fille. Bah oui. Là, on dirait le même visage. Tout à fait. On dirait le même. Mais même elles en font. Plus, on a l'impression qu'elles font qu'une. Mais voilà, Florinette. T'as vu la position des corps? Ouais, on a l'impression que c'est le même corps avec 3 pieds. C'est ça, ouais. Ce n'est pas inintéressant, cette notion de 3 pieds. Alors, il faut rendre. Une fois n'est pas coutume, Florinette. On va rendre hommage à Sigmund Freud, qui a été le premier à soupçonner que Léonard Vinci avait voulu représenter dans ce tableau deux mères. Deux mères pour l'enfant Jésus. Et pourquoi? Alors, lui, bon, ben, dans son interprétation. Psychanalytique. Il a attribué ça, bien sûr, à l'enfance de Léonard de Vinci. Pourquoi? Il avait une mère biologique, prénommée Katharina, et il a eu une belle-mère. Donc, il a eu deux mères, Léonard de Vinci. Donc, il s'est dit, voilà, Léonard de Vinci, il a voulu représenter ses deux mères, en donnant deux mères à l'enfant Jésus. Parce que tu as l'impression que Anne et Marie ne font qu'une. Vraiment, tu n'arrives pas à dissocier les corps. Heureusement qu'il a fait un pied supplémentaire, sinon tu. Voilà. On ne voit que 3 pieds. Et le visage est le même. Il est aussi juvénile. Et elles se ressemblent. Donc, là, Freud, on va dire qu'il brûlait. Mais pas que. Pas assez. Pas assez. Parce qu'il n'avait pas le savoir. Il n'avait pas la connaissance des mystères. Et il ne pouvait pas comprendre que ce mystère des deux mères était lié directement, vraiment étroitement, au mystère incarné par deux déesses de l'Antiquité, les déesses des mystères comme par hasard, la déesse Déméter, Cérès pour les Latins, Déméter pour les Grecs, et sa fille Perséphone pour les Grecs et Proserpine pour les Latins.
Alors, on a ces Alors, deux déesses. Déméter, voilà. Alors, Déméter, d'abord, voilà, Déméter, déesse Déméter. C'était la déesse des mystères. Ben oui. D'accord. Eleusis. La déesse du blé aussi, Oui, c'est ce que Florinette. j'allais dire, mais oui, il y a aussi du blé. Ah ben Vous oui, dites de toute façon. l'agriculture, mais c'est surtout le blé. Le blé feu, hein, faut pas oublier. Oui, Hein. bien sûr. Le feu symbolisé par le grain de blé. Et voilà sa fille Perséphone, Voilà. Proserpine. Alors, selon, voilà, toujours pareil, un limite grec qui nous révèle des savoirs cachés. Alors, bien sûr, Léonard, là, il a, je pense qu'il a voulu faire un gros clin d'œil en représentant ces deux mères, hein, parce que vraiment, on n'en fait qu'une, qui évoque, voilà, l'énigme qui est représentée par Déméter, qui était la sœur de Jupiter, Damater, la terre-mère aussi, et sa fille Perséphone. Alors, Perséphone, elle était appelée aussi Péréphate ou la colombe lumineuse. Elle avait ce surnom, Perséphone. Mais alors, le plus fort, c'est que Perséphone, ou Proserpine pour les Latins, était plus connue sous ce nom de Corée, qui signifie la Vierge. Ah oui, d'accord. Perséphone, la Vierge. Ah oui, ouais, c'est... On commence. Et alors, le plus beau, alors là c'est la cerise sur le gâteau. C'est que, selon le mythe, Dionysos Bacchus passait pour être le fils de Cérès autant que celui de Proserpine, de Perséphone. Ce qui lui avait valu de recevoir l'épithète de Bimater ou Dimater, le dieu aux deux mères. Ah ben oui, ben voilà. Alors voilà, les deux mères. Voilà, Dionysos. Bon. là il y a tout. Il y a tout. Donc là, je crois que on a suffisamment rassemblé d'éléments là Ah maintenant oui, ouais. Mmh. pour en arriver, ben, voilà, au secret de Mona Lisa, qui va incarner, on le devine déjà, l'être aux deux naissances, aux deux mères. Et oui, deux mères, c'est obligé. Si tu es né deux fois, tu as deux mères, mais ce n'est pas la même. Mais c'est pas la même, non. C'est pas la même. Alors, on arrive donc, on revient plutôt à la Joconde, parce que c'est en fait le sujet principal de l'émission, mais il fallait, avant d'arriver à elle, Oui, tout à fait. Expliquer tout ça avant, tout c'est ça. important. Donc, en plus, déjà, moi, ce qui m'a interpellée, la Joconde, bon, on dit la Joconde, mais elle a deux noms, la Joconde. C'est la Joconde ou Mona Lisa? Mona Lisa. Pourquoi on... Moi, quand j'étais jeune, je disais, mais pourquoi elle a deux noms? Je ne comprenais pas. Je disais, mais c'est la Joconde ou c'est Mona Lisa? Ah ben, on me disait, ben non, c'est la même. Tiens, pourquoi? Alors, déjà, une femme qui a deux noms, la Deux Joconde. prénoms, même deux prénoms, parce que Mona, Lisa, c'est deux prénoms, quoi. Ah oui. Pour moi, je vois Mona Lisa, je vois déjà deux prénoms, puis après la Joconde, mais c'est vrai Y en a un qui fait. Alors, on va le voir, Florette, on va le voir. Alors, déjà, d'où viennent les noms? Qui c'est qui a donné, non? Alors, on n'aurait jamais connu le nom de cette femme, si il nous avait été donné par, alors, Giorgio Vasari. Il faut retenir Vasari. C'était un peintre, architecte et écrivain toscan qui a écrit dans un ouvrage qui s'intitule « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ». C'est lui qui a écrit cette petite phrase dans son livre. Léonard se chargea pour Francesco del Giocondo, pardon, du portrait de Mona Lisa, son épouse, mais après 4 ans d'efforts, il le laissa inachevé. Alors déjà, bon, il nous dit, ben voilà, Francesco del Giocondo. Alors on se dit, bon, ben la Joconde, ça vient de là. Et Mona Lisa, ah ben oui, c'était le prénom de l'épouse. Mais il nous dit, ben, c'est un portrait inachevé. Alors qu'est-ce que ça aurait été s'il avait fini? Parce que le chef-d'œuvre absolu, c'est quand même fort. Donc, c'est grâce à Vasari ben, qu'on a les deux noms. Parce que sinon, on ne les aurait pas du tout connus. Alors, ce qui est étonnant, si Vasari, il va faire une description de la peinture, mais assez curieuse pour quelqu'un qui vient de dire le tableau est inachevé. Il demande à être. Et bien, voilà ce qu'il nous dit après. Les yeux ont ce brillant, cette humidité que l'on observe pendant la vie. Ils sont cernés de teintes rougeâtres et plombées qu'on ne peut rendre qu'avec la plus grande finesse. Les cils qui les bordent sont exécutés avec une extrême délicatesse. Le nez, avec ses belles narines roses et délicates, est vraiment celui d'une personne vivante.
L'ouverture de la bouche, unie par le rouge des lèvres au ton de chair du visage, ne semble pas être peinte, mais chair vivante. Trois fois, Florinette, tu as le mot vie, vivante. Comme si il disait, mais ce tableau, il représente la vie. Une personne en vie, mais plutôt qui a trouvé la vie avec un grand V. Alors, pour quelqu'un qui nous dit c'est un tableau inachevé, inachevé, ouais. On ne peut pas faire mieux. C'est parce que le tableau, elle est vivante. Elle est vivante, ouais. Mais voilà. En fait, l'idée, c'est quelqu'un, qui, enfin, c'est une représentation d'un être qui a trouvé la vie avec un grand V. Donc, là, on a encore un indice. Mais comme le remarque Serge Bramley, voilà, dans toujours sa biographie Léonard de Vinci, aucun témoignage ou texte ancien ne corrobore son récit à Vasari. Lui seul cite le nom de Mona Lisa, si bien que de nombreux historiens l'ont mis en doute. En dehors de Vasari, personne n'a donné le nom de Mona Lisa à ce tableau. D'accord. Alors là, ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, Vasari, forcément, c'était un humaniste. Comme tous les humanistes, il aimait jouer avec les mots, encoder le savoir, le secret dans les mots. Je me suis dit, bon, ben, au lieu de regarder la Joconde, qu'on a essayé de décortiquer de toutes les manières possibles, je me suis dit, ben, il serait peut-être plus simple d'ouvrir le mot, le nom. Parce que, voilà, si les humanistes l'ont caché quelque part, le mystère, c'est dans le nom. Léonard Vinci lui a donné un visage, mais c'est le nom qui nous révèle vraiment le mystère. Alors, on va commencer par Joconde, qui vient de l'italien Gioconda, qui désigne une personne sereine, heureuse ou remplie de joie. Bon, alors, oui, la figure de Joconde, on voit, c'est pas une joie voilà, hystérique, c'est une joie bienheureuse, un petit sourire en coin. Elle reflète, voilà, comme le bonheur paisible de quelqu'un qui a donné la vie. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une étude en 2006 réalisée par le Conseil national de recherche du Canada qui a permis, hein, par le biais de l'ordinateur, hein, une analyse voilà, très poussée, ils ont fait apparaître que la tête de la Joconde était entourée du voile transparent que portaient les femmes de l'époque lorsqu'elles étaient enceintes ou venaient d'accoucher. Elle a un petit voile, on le voit d'ailleurs en haut. Voilà, tu le vois. Elle a comme un petit voile transparent sur la tête. Donc ça, c'est une femme qui vient de donner la vie. Ouais, mais pas n'importe quelle vie. La vie. Alors, pour comprendre quelle vie elle a donnée, là, c'est Mona Lisa qui va te le révéler. Alors, Mona Lisa, j'ai eu la curiosité d'aller fouiller dans mon vieux dictionnaire de grec ancien qui perd ses pages de partout, mais c'est bon, j'ai eu la bonne page, elle était restée. J'ai regardé en grec s'il y avait un mot qui pouvait se rapprocher de Mona Lisa. Et je commence à trouver le mot grec monalusis, qui signifie une chaîne qui ne fait qu'un tour. Voilà, les maillons d'une chaîne qui ne fait qu'un tour. Pourquoi? Parce que c'est un mot composé de monos seul et alusis, chaîne. Donc, alusis, c'est la chaîne, monos seul. Bon. Mais je me suis dit, avec les humanistes, on peut jouer sur les mots. Donc, si je sépare à partir de monalusis, là, je me retrouve avec monas seul. Lusis, délivrance. Alors, si on coupe le mot en deux, au lieu de l'avoir qu'en un mot, hein, une chaîne qui ne fait qu'un tour, là, ça ne m'amenait pas grand-chose. Quoique ça, il y a une notion de chaîne, l'être enchaîné. Mais tu scindes le mot en deux, tu as monas seul, lusis, délivrance. Celui qui se délivre lui-même, tout seul, qui t'est enchaîné, et qui va se délivrer, et par lui-même. Alors là, oui, là, on a une merveilleuse métaphore
avec le nom de Mona Lisa, si tu l'interprètes avec les deux mots grecs, Mona Lusis, l'homme qui s'est délivré tout seul après avoir accouché, attention, après avoir accouché, c'est une femme qui a donné la vie, du Dieu, du divin qui était en lui, le grain de feu, on va dire, qui va tout transformer. Et alors, voilà, en devenant ce nouvel être qui a trouvé la vie, mais avec un grand V, une vie là qui est plus soumise du tout à la mort, donc qui a vaincu la mort, et bien là, il se retrouve dans la condition de la bienheureuse mère de Dieu, puisqu'il a enfanté le Dieu. Ah oui, bien sûr. Et alors, cette mère de Dieu, attention, qui nous ramène au mystère de l'Immaculée Conception. Parce que quand on accède à cet état de mère de Dieu qui engendre le divin, eh bien, on change de plan de monde et on est transporté au ciel, littéralement. Alors là, tu peux montrer, Florinel, le tableau de Vasari, Vasari encore, qui a représenté justement cette ascension de Marie au ciel. C'est Vasari qui a fait ce tableau, le même qui nous a révélé Mona Lisa. Ouais. Et alors, qu'est-ce que nous voyons? Bon, la Vierge qui est emmenée au ciel avec son corps, avec son corps. Oui, tout à fait. Et tout en dessous, l'arbre de la mort auquel sont enchaînés les êtres mortels. Ils ne peuvent pas s'en libérer. Il faut qu'ils acquièrent la même nature que la Vierge qui est élevée en ciel pour pouvoir se libérer de l'arbre de la mort. Au milieu, c'est l'arbre de la mort. Tu as un démon là, qui est au-dessus. Et donc, tous les êtres mortels sont enchaînés à cet arbre. Bah oui, on le voit là, de toute façon, ils le tiennent tous, ils sont tous au pied. Ouais. Alors, ce Vasari, on voit aussi qu'il avait de grandes connaissances. Oui, pour faire ça, oui. Alors voilà, donc ça nous renvoie à ce mystère de l'Immaculée Conception qui, contrairement à ce que l'on croit souvent, ne fait pas référence à la conception virginale de Jésus, non, non, mais au rachat ou à la délivrance de sa mère, qui étant devenue aussi pure que la blanche hermine, a gagné le droit de quitter la terre avec son corps. Avec son corps. Il ne s'agit pas de laisser le corps de côté. Non, non, non. Parce que le corps est transformé. Ouais. Au ciel. C'est ça. C'est ça le... Alors là, ça nous renvoie à la notion des rachetés de la terre. Les rachetés de la terre. Bon, là, qu'on évoque dans un passage de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 3 et 4. Alors, là, on nous dit, et j'entendis du ciel, voilà, c'est une voix, et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Voilà, c'est le ciel qui descend sur la terre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau, hein, devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Alors, il ne faut pas prendre le texte au pied de la lettre. Ce n'est pas ceux qui n'ont jamais couché avec des femmes. Mais ils n'ont pas conçu d'une manière charnelle. Donc, ils ont conçu d'une autre manière. Et ils sont vierges. On nous dit les 144 000 sont devenus vierges parce que ce sont des vierges qui ont enfanté. Alors, voilà. Alors, ça nous ramène évidemment à la fête de l'Assomption. L'Assomption. Qu'il ne faut pas confondre avec l'Ascension. Non, non. Ah oui, mais beaucoup de personnes confondent. Alors, l'Assomption, le mot vient du latin ad sumer, qui signifie être transporté vers. Bon, voilà l'index, hein, vers le haut. On est transporté au ciel. Alors que l'Ascension vient du latin ascendo, qui veut dire on monte soi-même. Alors, on a besoin. Donc là, ce transport céleste de l'Assomption, en fait, c'est le divin qui transporte l'humain au ciel. Après que la Vierge étant, ou le mortel est engendré l'immortel. Comme on disait, il y avait une phrase rituelle dans les mystères de l'Antiquité. On disait, la Vierge Corée, souviens-toi, hein, c'est Proserpine, Perséphone, la Vierge Corée avait donné naissance au Dieu de l'éternité. Voilà ce qu'on disait, la formule rituelle dans les mystères. Et alors, c'est la même chose
que l'on... C'est la même idée, on va dire, qu'on retrouve là dans cette parole du livre d'Isaïe, dans le livre d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. Mais il faut bien comprendre que nous sommes tous des vierges en puissance. C'est ça, le mystère. Alors, je ne pouvais pas trouver de meilleure citation que dans les dialogues à Ilange pour parler de ce mystère de l'Immaculée Conception. Parce qu'en fait, c'est une conception qui est divine, qui va féconder l'être, mais c'est le Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le feu de Dieu qui va générer cette conception. C'est pas un mortel qui va féconder un autre mortel. Non, c'est une conception supérieure. Voilà. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que l'être parvenu à cet état a deux mères, parce qu'il a eu une mère mortelle, charnelle, voilà. Première mère. Ouais. La deuxième mère, charnelle, c'est lui-même, parce qu'il a donné naissance à ce nouvel être. Donc les deux mères, c'est la première mère, c'est la mère de l'eau, de l'enfant de l'eau. Oui, puis la deuxième, c'est l'enfant. Oh, oui, c'est la c'est mère lui-même. Du... Bah oui. Ouais, c'est la mère du feu, la mère de l'enfant du feu. Dans les deux mères. Voilà. On a... Ah ouais, c'est ça. Donc là, je vais terminer sur les... Enfin, terminer, il y a quand même quelques citations à faire parce que c'est trop beau. Avec les dialogues avec l'ange. Il n'arrête pas, l'ange des dialogues, de nous parler de ce mystère, de cette conception immaculée. Alors, première citation. Ne vous égarez pas, ne cherchez plus à faire. Votre acte est autre, il est conception. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à bâtir, nous n'avons rien à construire, nous n'avons rien. Nous n'avons qu'à concevoir. Concevoir un nouvel être. On n'a rien d'autre à faire. C'est tout le sens de la vie sur Terre. Alors, une autre passage, entretien 54. On ne peut concevoir que dans le secret. Le cœur et la maison. Bon, ça nous renvoie au cœur aussi. On en a assez parlé, Florinette Aymancera. Le cœur et la maison. Les noces y seront célébrées. Esprit et matière, deux demi-graines. On vient à une été de graines. Le feu reçu aujourd'hui les fait fondre. Le feu. Toutes les deux, et elles s'unissent. L'ancienne promesse s'accomplit. Matière et esprit, mort et vie ne font plus qu'un. Quand on connaît déjà le mystère, là, on comprend mieux la parole de l'ange. Elle devient limpide. Oui, complètement. Hein. Alors après, entretien 83. La connaissance. Alors, il y a un trait d'union. Hein. Connaissance. Parce que c'est deux naissances simultanées. C'est comme la renaissance. Connaissance. Renaissance. La connaissance est en vérité amour. Et la conception est immaculée. Mystérieux, merveilleux est l'enseignement sur la conception immaculée. Il insiste. Oui, il insiste. Alors, encore une citation, entretien 83, hein, il en parle beaucoup. Si le fiancé trouve la fiancée, bon, le fiancé, pour aider à comprendre, c'est l'esprit de Dieu, c'est le feu. La fiancée, ben, c'est nous. Hein. C'est la chair, c'est la matière. Si le fiancé trouve la fiancée, la mort est avalée pour toujours. Ça y est, on a vaincu la mort. Trois pas, c'est le temps. Les trois jours hein, de la résurrection, trois pas, c'est le temps. Le passé, purification. On en a parlé avec l'Hermine. Le présent, don total de soi-même. C'est l'être qui donne sa vie par amour. Et le futur, les noces. Alors, le passé, purification, on se purifie de plus en plus. Le présent, le moment du baptême, don total de l'être, don total de soi-même. Le futur, les noces, l'union. L'impossible union de l'eau et du feu. Les deux amants sont issus de lui, lui qui a fait naître éternellement, à la place de la lumière sans corps et du corps sans lumière, le nouveau, les deux amants unis, le Verbe devient chair et la matière devient lumière. La conception immaculée et l'amour éternel, qui n'est pas suivi de Bethléem, ni de tombeau, ni de résurrection, le nouveau Christ a revêtu la robe de lumière, ses yeux le feu, ses cheveux les flammes. Voilà, l'être, sa gloire, hein, donc une gloire de feu. De feu, ouais. Alors j'ai encore
une citation des dialogues. Après, j'ai encore autre chose parce que c'est venu après. Voilà, je n'avais pas prévu, mais il y a quelque chose qui est venu après. Alors, dernière citation des dialogues. Le corps perd ce qui en lui est mort. Sa graine y a été semée et elle a pris corps. La matière est délivrée car elle a conçu de l'esprit et c'est la nouvelle conception immaculée. Voilà, ça c'est dans l'entretien 64. Bon, mais tout est dit. Après tout ce qu'on a vu avant, là, je crois que Léonard de Vinci aurait adoré les dialogues à Ilange. Oh, oui, je pense que oui. J'en suis même sûre. Qu'est-ce qu'il aurait aimé? Donc voilà, là, on a compris que la Joconde, en fait, que Léonard Vinci, qu'est-ce qu'il a voulu représenter dans cet ultime tableau qui, pour lui, était vraiment le plus important? Ben, c'est la Dame du Salut ou la Vierge qui a enfanté dans l'être humain, qui s'est sauvé lui-même, qui s'est délivré lui-même. Monalysis, seule délivrance, qui s'est sauvé en enfantant le divin qui était en lui. Et là, ça nous renvoie directement à une parole de l'Évangile de Thomas, Logion 70, quand cela, entre guillemets, quand cela sera engendré en vous, cela vous sauvera. Si vous n'avez pas cela, l'absence de cela vous tuera. Tout est dit. C'est-à-dire, oui, si on n'a pas engendré ça en nous, ben on repart dans le cycle. Bien sûr. Mort, vie, réincarnation. Mais on n'a pas trouvé la vie. La vie, dès que l'esprit me, la Joconde, cette personne vivante, il insiste, Vasari, elle est en vie. Elle est en vie. Ouais. Quand tu regardes le tableau de la Joconde, tu peux même te dire, elle est plus en vie que toi-même. Ouais, non, c'est vrai. Incarne l'être vivant. Nous, on n'est pas vivant, nous, on n'est pas encore vivant. On existe. Voilà. Elle incarne l'être qui est en vie, qui atteint la vie. Nous, on n'y est pas encore. Hein. Il y a du boulot. Il y a des chemins. Et donc, son sourire cinématique, c'est le sourire des mystères. De l'être qui t'emplit de joie, on revient au mot Joconde, Joconde bien, qui t'emplit de joie parce que c'est le sourire des bienheureux qui se sont libérés à tout jamais des chaînes de la mort. Donc, de l'arbre de la mort. Et voilà, donc, du coup, elle a retrouvé, c'est l'être qui a retrouvé le chemin de l'arbre de vie, dont le fruit est destiné voilà, au vainqueur de lui-même. Ça, c'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Le fruit de l'arbre de vie qui est destiné au vainqueur de lui-même. C'est nous que nous devons vaincre. Et alors, voilà, c'est dans ce passage de l'Apocalypse, il y a écrit, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Parce que c'est celui qui a trouvé la vie. Alors, j'aurais dû m'arrêter là, Florinette. Et puis, il m'est arrivé une petite chose il n'y a pas très longtemps, juste avant l'émission. Alors, notamment, voilà, j'ai réussi à trouver un livre merveilleux que je cherchais depuis des années. C'est « Le pèlerin chérubinique d'Angelus Silesius ». Alors, on peut montrer déjà Angelus Silesius. Oui. Voilà. Un homme très inspiré. Oh, combien. Alors là, c'est « Le pèlerin chérubinique ». Voilà. On arrive à trouver quand même, mais j'ai un peu de mal. Hein. Donc, j'ai trouvé des passages extraordinaires dans ce livre bah, qui vient confirmer tout ce que l'on vient de dire. Moi, je ne l'avais pas lu avant. Alors, on va citer un des passages. L'homme transparent comme la lumière et pur comme l'origine. Transparent comme la lumière et pur comme l'origine. Dieu le prédestine à être vierge. Donc, à enfanter le Dieu. Alors, autre passage, nul n'a jamais concédé à Dieu de faveur plus souveraine que l'homme qui lui accorde de l'enfanter en soi comme fils. On ne peut pas être plus clair. Hein. Il savait aussi. Une autre citation hein, du pèlerin chérubinique. Rien de plus doux que de voir Dieu devenir fils d'homme, rien de plus merveilleux que de sentir en soi cette naissance se produire. Faut que ça se produise en nous, c'est pas à l'extérieur. Ah oui, non, c'est pas à l'extérieur. Alors, une dernière citation d'Angelus Silesius : à l'arrivée de ce qui est parfait, donc de ce qui est divin, l'imparfait s'écroule. L'humain se consume quand je suis divinisé. Voilà. Bon, alors voilà, si on n'a pas compris tout ça, et alors j'aurais dû vraiment m'arrêter là, mais j'ai un ami. Il m'a fait un merveilleux cadeau, là, il y a très peu de temps, il m'a prêté un livre. Évolution 2 de Sadprem, dont je n'avais jamais entendu parler, hein, ce livre. Voilà ce livre.
Donc, j'ai lu vraiment voilà, très, très vite. Il est très, très, très bon livre. Mais pour ceux qui ont déjà la connaissance de la finalité, je dirais. Et à la fin de ce livre, je trouve une citation des Rig Veda. Les Rig Veda, c'est une collection d'hymnes sacrés en sanskrit qui font partie des quatre grands textes canoniques de l'hindouisme. Donc, c'est très ancien, ça remonte entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ. Voilà, les Rig Veda. On les trouve en PDF, je tiens à dire, pour ceux qui les voudraient, sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale. J'ai récupéré ça en PDF en quelques minutes. Non, parce que ça se vend assez cher, mais on peut les avoir en PDF sur le site de la Bibliothèque nationale. Et là, dans le livre de Sadprem, je trouve cette citation d'Éric Véda, tome 1, 95-4, où il est écrit: Qui parmi vous s'est éveillé à la connaissance de cette chose secrète? C'est l'enfant qui donne naissance à ses propres mères. Quand j'ai vu ça, Florinette, on Voilà. parlait des deux mères et de l'être qui engendre, parce qu'il faut bien comprendre la notion de mère, voilà, normale, c'est elle qui engendre l'enfant. Mais quand on est dans l'idée de l'Immaculée Conception, c'est l'enfant qui en va engendrer la mère. Parce qu'on s'engendre, on s'auto-engendre, et en même temps, on devient mère. On a à la fois le fils et la mère. Non, mais alors, trouvez ça dans les Rig Veda. C'est parmi les textes les plus anciens de l'Inde. Alors voilà, là je me suis dit, là, l'enfant qui donne naissance à ses propres mères, en plus, mère au pluriel. Oui, ça, Il y a deux mères. c'est fou quand même, hein. Fabuleux. Donc en fait, ce savoir. Il fallait que tu le dises, c'était pour l'émission. Ben, voilà, oui, mais là, je ne me suis pas posé la question. J'ai remercié le ciel. J'ai compris, je dis, bon, là, je vais rajouter à la fin, parce que si je n'en rajoutais pas, ce ne serait pas possible. Non, Mais ça montre aussi que ce savoir, ouais. ben, il vient de très loin. Le secret de l'homme, il nous vient de très, très loin, cette connaissance sacrée. On peut remonter aux civilisations antédiluviennes, hein, Ah oui, tout parce que à fait. Ouais. les humanistes l'ont trouvé chez les Grecs, les philosophes grecs, qui eux-mêmes le tenaient des prêtres égyptiens. Ça a été les premiers à enseigner les mystères. Les prêtres égyptiens qui les tenaient, d'autres initiateurs, on le retrouve partout. Voilà. Alors, il suffit de remonter le fil, hein, le fil d'or, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Mais l'Occident l'avait complètement perdu, et grâce aux humanistes, avec un grand H de leur naissance, Contre. ont retrouvé dans les mots le grec le secret. Et après, des artistes, voilà. Aussi géniaux que Léonard, lui ont donné figure humaine. Mais pour ceux qui ont des yeux pour voir, Voilà, toujours pareil. des oreilles pour entendre. Voilà, exactement. Bah, merci beaucoup, Magali, pour cette passionnante émission et puis nous avoir révélé tous ces secrets qui sont capitales. Franchement, c'est maintenant, voilà, tout est dit. Je pense que tout est dit et puis bah, le chemin est là, tout tracé. Maintenant, à nous de le parcourir. À nous de le faire, mais parce que personne ne le fera à notre place. Ah non. La compréhension, le savoir ne suffisent pas. Non. Il faut d'abord avoir la volonté de l'accomplir, et surtout, la chose la plus importante, l'amour, brûler d'amour. Attention, ce mot amour est bien trop souvent galvaudé. C'est un amour qui surhumain, qui amène l'être à brûler, brûler littéralement pour se mourir d'amour, se consumer d'amour, et au final, aboutir à ça. Voilà le secret. Et maintenant, je comprends pourquoi Léonard de Vinci tenait tant Passage au Congo. Voilà. Là, on comprend. Voilà, merci beaucoup Magali. Et puis à très bientôt. Ah ouais, à très bientôt, Florinette. Au revoir Magali. Au revoir à tous.